No, you know, when we played against them away, I think we played very good first half. Like, we defended as a unit, and that's for sure one thing we have to keep it up for tomorrow. But I think this is a like great moment for us to meet them, because we have done a very good job at home, and you know, I'm very, very confident. The team is sharp, even though we have played two games in this week, but you know, we're ready. How much of an impact do you think the red eye flight and only one day of practice will have on the game? No, it's, in this situation, it's not about like practicing. Now it's just recover and prepare. So we do everything what we can to be ready. And for sure, it's there are many, many teams in this league who play three games a week. And now this is 1 week for us like that. And it's not going to be an issue at all. No, I mean, of course, we are very disappointed, but to look back on that game, I think Vancouver, they were stronger than us. They were better for sure in that game, you know, from the first minute. So to be honest, we didn't deserve to go through, and you know, now we just focus on the league. Ah, ça va être très difficile, comme tu dis, avec la fatigue, de toujours avoir des joueurs sur ton dos. T'sais, ça va être très difficile, je pense, avec la circulation du ballon, parce qu'ils vont être toujours sur nous. Je pense que ça va être important d'essayer de jouer dans leur dos, d'essayer de mettre le ballon le plus profond possible, puis de nous, justement, de les presser. Je pense qu'Atlanta, c'est pas une équipe qui se fait presser normalement. Si on est capable de faire ça, qu'on fait quand même bien à la maison, je pense que ça peut être un bon point pour nous. Mais je pense que ça va être un match très difficile mentalement, c'est sûr. Physiquement, oui, mais je pense que ça va être plus mental. Il faut juste être fort 90 minutes. C'est sûr qu'on est fatigué, mais bon, on sait que c'est le dernier match là, de ce long run-là. Donc, dernier effort là, dans ce mois-là. Je pense que c'est le meilleur moment justement pour rebondir après une élimination. C'est sûr qu'on est déçu. Honnêtement, le sentiment qu'on avait dans le vestiaire après, c'était vraiment plate. On savait que bon, un point à Portland, c'était un bon point. Puis si on était capable de passer en finale, ça aurait été un voyage positif. Même si un point à Portland est quand même très, très bon, on n'est pas satisfait. Mais je pense que c'est le meilleur moment pour rebondir, justement. On affronte la meilleure équipe. On sait que dans cette ligue-là, tout peut se passer. Donc, si on est capable d'aller chercher un bon résultat avec Atlanta, je pense que ça va être très, très bon pour nous. On fait très bien en ce moment dans la ligue, dans la MLS. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer. On n'a pas le choix, en fait, de se concentrer sur ça. Il nous reste juste ça. Donc, je pense qu'on est capable de faire des bonnes choses. Puis, je pense qu'on n'a pas le choix. Là, maintenant, il faut se tailler une place en série. Là.